gagner des rollers. C'est dingo. 36-15, dingo, des jeux rigolos et des cadeaux à gogo. Tous les vendredis à 23h, à partir du 7 juillet, clip d'enfer, interview exclusive, concert inédit. Les enfants du rock reviennent sur Antenne 2. 1, 2, 3, 4! Les enfants du rock, tous les vendredis soirs. Pomme, et dis donc, tu te fais mal? J'ai le menton en galoche, l'œil poché et le nez retroussé. Et dis donc, ça te va comme ça, Eric? Oh non, moi j'abandonne là, j'en peux plus. Tout à l'heure, on va regarder Transformers, et alors là, à tous les coups, tu vas me le faire. Pomme, et tu fais mal? J'ai le menton en marmelade, l'œil poché et le nez cassé. À demain. Si on n'est pas malade. Les chiens plutôt pantoufles qui veulent rester légers, il y a Friskies Form à la volaille. À chaque Friskies son chien. Tu viens? On va leur faire une surprise. Le soleil vient de se lever, on est heureux de retrouver l'Amérique au rêve. L'ami du petit déjeuner, l'Amérique au rêve. Toujours au bon moment, avec ses pains et ses croissants, l'ami du petit déjeuner, l'ami Grigoré. Sur 36-15 Astérix, tu gagnes plein de cadeaux magnifiques. Le Minitélix gaulois, 36-15 Astérix. Ah, 11h29, ce vendredi 21 juillet, comment allez-vous? Bien, je l'espère. Et pour aller peut-être encore mieux, ne vous privez surtout pas de détente, de bonne humeur, de rire, de cadeaux. Mais oui, bien sûr, de jeux en compagnie de Patrice Lafont et Marié de la Deux, tout d'abord. Dessiner, c'est gagner. Ensuite, une cagnotte remportée hier et qui repart aujourd'hui à 5000 francs. Bonne chance. Pour vous informer, journal de mi-journée. Et puis une soirée que l'on peut dire placée sous le signe des voyages. Oui, tout d'abord, 20h35, fan de suspense. Poursuivons notre tour d'horizon européen dans la série Euroflic. Qu'est-ce que tu veux? Rien pour l'instant. Je sais qui est le meurtrier de mon père. Qui? Qui? Vous. Chambre 24. Quoi? Il y a déjà quelqu'un là-haut. Mais qu'est-ce que vous faites ici, cher collègue? Vous êtes venu faire le ménage? Ils sont jeunes, ils sont drôles et relax, mais ne plaisantent pas avec la loi. Leur ennemi, c'est le crime. Pour le combattre, ils abolissent les frontières. Euroflic. L'international du crime n'a qu'à bien se tenir. Euroflic, tous les vendredis à 20h35, ils font régner la loi. Et ils nous viennent ce soir d'Autriche, il y a là un flic aux abois.
Par contre, 21h30 côté littérature, un bon outre-Atlantique pour cette apostrophe d'été qui en effet était tournée à l'université de Stanford. Oui, ce sont deux philosophes français en Californie, René Girard et Michel Serres, qui sont ce soir les guides de Bernard Pivot. Et puis plus tard, là, côté musique branchée, 23h05, via l'URSS pour ses enfants du rock, ce soir de Lénine à Lennon, tout sur le rock en URSS aujourd'hui. Mais pour l'instant, une seule question, What Dove Doctor, et puis on se retrouve un peu plus tard. Madame, Monsieur, bonjour. Lentement, faiblement, les orages arrivent. Normalement, c'est pour aujourd'hui. Et là où il y a des orages et des nuages, eh bien, les températures sont en baisse. Cette nuit, ces températures, elles s'étalaient entre 11 degrés à Reims et Nancy et 21 degrés au plus fort à Toulouse et Nice. Du côté du baromètre, eh bien, on va voir un coup d'œil tout de suite sur les pressions. Les voici. À Brest, au plus faible, 1015 millibars. Et au plus fort à Saint-Étienne, 1024, à Lille, 1020 millibars. Alors, ce sont des pressions qui sont quand même assez élevées. Et ces pressions élevées empêchent les nuages qu'on voit tout de suite sur la photo satellite. Des nuages qui viennent d'Espagne, eh bien, ils ont du mal à avancer. On les voit, ils arrivent là. Et au fur et à mesure, ils se désagrègent en arrivant sur les zones de haute pression. Ils vont avoir, ces masses nuageuses et orageuses sont mal organisées. Elles vont avoir beaucoup, beaucoup de mal à traverser le pays. Elles mettront au moins 2 ou 3 jours. Alors, sur la carte d'aujourd'hui, sur le ciel d'aujourd'hui, on le voit, il y a 2 types de temps. Sur toutes les régions du nord-est, hein, donc du Nord-Pas-de-Calais jusqu'à la Bourgogne, même en passant par la Champagne-Ardenne, l'Alsace et la Lorraine, eh bien, sur toutes ces régions, c'est un temps stable, largement ensoleillé toute la journée. Mais sur tous les autres quarts du pays, les 3 autres quarts du pays, eh bien, c'est un temps instable. Vous le voyez, il y a un peu tout ce qu'on veut, des nuages, un ciel plombé qui va devenir de plus en plus nuageux au cours de la journée, avec peut-être quelques éclaircies, mais aussi des risques d'orages dans le Jura, le Massif central, sur les Pyrénées également, beaucoup de risques d'orages. Alors ce sont des orages qui risquent d'être violents, mais qui seront très isolés, qui donneront peut-être de la grêle avec des rafales de vent, mais qui donneront peu de pluie, ce qui est plutôt mauvais pour la sécheresse. Alors, côté température, elles sont plutôt en baisse. Vous les voyez apparaître sur votre écran. Sur la moitié nord, elles vont de 26 à Cherbourg jusqu'à 32 à Reims, en passant par 31 à Paris. Et sur la moitié sud, de 28 à Nice jusqu'à 36 à Lyon. Alors, sur la carte du temps prévu pour demain, eh bien, donc je vous disais, ces orages ont du mal à avancer. Alors, ils sont encore là, ces orages, sur la moitié ouest du pays. Hein. Et puis, sur toute la moitié est, eh bien, nous aurons là un ciel chargé, des nuages élevés, mais assez denses toute la journée. Alors, on va jeter un coup d'œil sur la carte de la météo marine, rapidement, parce qu'on est en retard, la voilà. Donc, vous pouvez constater qu'il fait force 5, c'est là que c'est le plus élevé, sur la partie Lyon-Provence de la Méditerranée. Voilà, cette météo est terminée. Vous retrouvez tout de suite Gérard Beaufils pour le Flash. À bientôt, au revoir. À deux, passionnément. De gags et de bévues, crise de rire et suspense infernal. La bonne humeur n'a pas de frontières et vous donne rendez-vous chaque samedi pour la grande bataille du rire et du divertissement. Voilà, avec une équipe particulièrement préparée, je sais pas pourquoi, mais je le sens. Vous le sentez bien. Un jeu sans frontières, tous les samedis, 20h40.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, tous les yeux se tournent vers le ciel, pas seulement à propos de météo, mais parce que nous célébrons un anniversaire historique. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. C'était il y a 20 ans, jour pour jour, l'homme marchait sur la Lune. Les Américains veulent y retourner à l'aube du 21e siècle. George Bush l'a annoncé hier. Autre objectif, la planète Mars. Les 114 astronautes réunis autour du président américain estiment que cela sera possible un jour. Accalmie sur le front des incendies de forêt, en Ille-et-Vilaine, le feu est circonscrit. En Gironde, les pompiers contiennent le sinistre autour du lac de Lacanau. Les conditions météo semblent plus favorables. De nombreux renforts sont arrivés sur place, venant notamment de Paris et de la région Rhône-Alpes. L'avenir du chantier naval de la Seine-sur-Mer sera décidé en septembre. L'élaboration d'une charte et sa signature ont donc été différées. Jacques Chirec, ministre délégué pour la reconversion, se dit cependant optimiste. Il a notamment évoqué la possibilité de créer 3000 emplois en 3 ans. Légère hausse ce matin du dollar à Paris, 6 francs 46,45. Le billet vert coté 6 francs 45,95, 85 hier, à la clôture des échanges interbancaires. Michel Hidalgo sur la touche, le manager général de l'OM s'occupera désormais uniquement de l'avenir du club. C'est ce qu'il ressort de son entretien avec Bernard Tapie et qui ne fait que confirmer la rumeur qui s'amplifiait autour du stade Vélodrome. Le Tour de France, Laurent Fignon consolide sa position de leader au classement général en se permettant même de gagner l'étape devant tous les grands du peloton. Aujourd'hui, dernier périple alpestre de Villard-de-Lans à Aix-les-Bains à suivre sur Antenne 2, bien sûr. Il y aura un tiercé Quartet Plus demain à Évry dans le prix Grand Cours. 11 partants. Pronostic de Pierrette Bresse. Le 2, Cruise Ship. Le 10, Captain Cad. Le 5, Valmina. Le 9, Yentl. Le 8, Freezed Beater. Le 4, Metapontum. Le 7, Gerdiris. Le 11, Run for Ship. Je vous répète ces numéros car ils ont des noms vraiment très difficiles. Le 2, le 10, le 5, le 9, le 8, le 4, le 7 et le 11. À 13h, votre journal avec Patricia Charnelet. Très bon appétit et bon week-end. Un, deux, trois et quatre. Mon contrat minceur, c'est mon contrat Contrex. Déodorant Narta. Dès le matin, je suis Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta. Narta. Moi, je suis fraîche et ça se voit. Narta. Toute la journée, fraîcheur Narta, déodorant Narta. Marley, Muselle, Falcon. J'ai toujours eu des chats. Aujourd'hui, j'ai 3 chats. Ils sont tous différents. J'aime cette diversité. Je les aime tous, bien sûr. Le seul point commun de mes chats, c'est Whiskas. Et ça, ce n'est pas moi qui ai choisi, c'est eux. Connaître les chats, c'est sentir leurs différences. Après vous, qui comprend mieux votre chat que Whiskas ? Oasis, Oasis, c'est bon, Oasis, Oasis, tout le monde est chat. Quand je dis Oasis, c'est Oasis. Maman, où il est mon maillot de basket ?